Léonel Fichou. Le Zika, composé par les hommes, consacré par les membres de leurs ancêtres, est disposé par Dieu sur ce même stade à 65 jours. Je voudrais, monsieur le président de la République, véritable homme d'État, je voudrais, monsieur le président de l'Assemblée nationale, président du parti du Renouveau démocratique, vous remercier avec tous les militants du RD pour cette belle fête annonciatrice de l'ambiance qui va arriver ici dans 65 jours que vous me donnez ce soir. Cette fête, loin d'être une simple occasion d'investiture, est une occasion de célébration de l'unité nationale. Cette fête, monsieur le président, homme d'État du PRD, est un symbole de célébration de l'unité nationale parce que monsieur le président du PRD, qui mieux que vous, qui avez consacré une bonne partie de votre vie pour que le Bénin, dont vous rêvez, puisse connaître son avènement. Qui mieux que vous, pour des questions de principe, avez choisi de faire 25 ans d'opposition pour qu'anciens souviennent le Bénin dont vous rêvez. Qui mieux que vous, monsieur le président, du PRD, si je dois citer les différents actes forts qui font de vous l'homme d'État dont le Bénin veut rêver. Je ne me finirai pas avant demain. Qui mieux que vous peut indiquer le chemin à ceux pour un Bénin uni, un Bénin prospère, un Bénin développé, un Bénin qui donne de l'espoir à la jeunesse. Je crois que la réponse, c'est pour M. le Président. C'est pourquoi cette voie que vous avez indiquée, qui n'est rien d'autre que Léonel Fichou, ce candidat qui nous permet de mettre fin à la politique régionaliste dont nous avons hérité depuis la fin de la colonisation. Ce candidat que vous avez décidé de soutenir avec les forces politiques de l'émergent, le PRD, le beaucoup de l'Alliance, pour qu'enfin, en lieu de place de politique régionaliste, nous passons à une politique de filles et de fils unis et à une politique du nom national. Ce candidat, nous sommes en train de travailler pour pouvoir le porter au pouvoir le 6 avril prochain. Nous voyons déjà des signes annonciateurs d'une victoire écrasante ici à Porto-Vaux. Nous voudrions aussi vous promettre que dans nos liens respectifs, que le nombre que nous constituons ici est l'illustration de ce que nous devons travailler et au soir du 28 février, nous allons pouvoir desserrer ce chaos qui non seulement permettra de remettre rapidement la nation au travail, mais permettra au pays de pouvoir gagner au moins en termes de 3 milliards de francs CFA. Monsieur le président du PRD, monsieur Léonel Fichou, président de la République en 65 jours, vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur cette troupe du PRD fortement mobilisé, des FTBE fortement mobilisé, de la RB fortement mobilisé, de l'éclaireur fortement mobilisé, de l'UB, de l'AND fortement mobilisé pour enfin permettre au Bénin de faire de la politique comme la de la famille, de faire de la politique un environnement dans lequel on peut se parler comme des frères et des sœurs. Enfin, monsieur le président de la République, le rêve des choux, dans ce 65 jours. Monsieur le président du PRD, nous avons retenu une leçon fondamentale de l'occasion que nous avons ce soir. Cette leçon, c'est que dans cet environnement politique ou béninois, où la politique est devenue un moyen de subsistance, la politique est devenue un moyen d'arrêt, au PRD, la politique est une science. Et nous sommes en alliance avec vous pour apprendre tout. Nous sommes en alliance avec vous pour construire avec vous. Je voudrais finir pour dire, en disant merci aux militants du PRD. Les militants de FCBE vous rassurent que si le carreau parle de Porto-Vaux, son berceau sera d'abord dans la fière des FCBE.
Et si le chaos part, les frères de FCE, son verso sera ici à Porte Nouveau. En clair, tout le bien sera au soir de tout février, le verso du chaos. Monsieur le président de la FCE, pour moi, vous, et que les membres de vos ancêtres vous accompagnent. Je vous remercie. Choco, Choco.